Il met l'anneau et aussitôt se transforme en Shizo. Dans sa jupette d'une manchette peut te mettre KO. Son acolyte Max et Casco, lui c'est vraiment son pote. Mais les méchants Shizo les bat tous pour les réduire en compote. Super force et super vitesse, y'en a pas de 200 espèces. Crème magique, rouge laser, ses cheveux lui tapent sur les nerfs. Chicule tout terrain, avion de chasse et sous-marin. Méga Bat, écrit d'enfer, qui est aussi trop super. Shizo. Shizo a plein d'adversaires, Bulle de Bave et même Tara. Faites gaffe, la voilà. Shizo, Shizo, Shizo. Kelly et Sheila font leur show. Shizo, Shizo, Shizo. Tous aiment Shizo. Hey. Shizo. Shizo, Shizo. Jamais on a vu un tel héros. Shizo, Shizo, Shizo. Y'a que ce Shizo. T'as appris à faire du vélo comme ça dans un cirque? Plus on se moque de tout, plus on va vite! En retard à son propre flash mob. C'est une jolie première. Je suis pas en retard, je suis pile poil à l'heure. Ton oreiller est tout mouillé. C'est parce que je bave dessus en dormant. Ça fait mal de le reconnaître, petit frère. Mais franchement, ton flash mob, il déchire. C'est pourtant un classique. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ramassie des cervelets sans ailes. Apprenez que je suis le pigeon. C'est le pigeon. Vous allez sans plus tarder payer le prix fort pour avoir ainsi gaspillé tant de plumes innocentes. Et pour être le plus souvent méchant envers les oiseaux, nous ne sommes pas des vilains rats pourvus d'ailes. Non, nous sommes des dieux. Et après, tu comptes faire quoi? Nous picorer? On n'a vraiment pas peur de toi? Ouais! Voler! Ah d'accord, là on a peur. Oh, sors-toi là, sors-toi là! Guy, tu dois faire quelque chose! Et Fissa, couvrez-moi! Que la pluie de la terreur s'abatte en cet instant. Qu'est-ce que c'est que ce machin tout collant? Et sa schlingue? Il s'agit de la neurotoxine de la peur, connue sous le nom de la pluie de la terreur. Et on s'en débarrasse de quelle façon? Comme cela. Non, mais on va faire comme si. Alors, de quelles infos on dispose sur cette cervelle d'oiseau, Sheila? Le pigeon est un pur produit des déchets toxiques, un mutant très puissant qui donne dans l'activisme volatile. Il se bat pour le droit des oiseaux? Oui, il se bat notamment pour qu'on interdise la pose de baies vitrées sur les gratte-ciel. Je dois déterminer où il frappera la prochaine fois. Vas-y, ma poulette! Oh! Oiseau mutant, maléfique, gare à vos plumes! Cui, cui! Laisse-moi deviner, Capitaine Dodo. Non! Aujourd'hui, je suis la caille canaille. Volons jusqu'à la Chimobile. Oh, regarde comme c'est chignoble. C'est un spectacle de désolation. Cette pluie de la terreur a laissé des traces partout. Mec, il y a un truc qui va pas. Ton corps est en train de réagir aux neurotoxines? Non, je reproduis juste les mouvements d'un pigeon afin d'adopter l'état d'esprit de notre méchant. Oh, et est-ce que ça marche? Tu en retires certaines choses? Oui, un joli torticolis. Oh. Attends. Je sens que ça monte, un intense sentiment piafesque me gagne. Ça y est, je suis connecté.
Demande-moi n'importe quoi sur les oiseaux. La caille canaille, où les oiseaux aiment-ils traîner? Aux stations de lavage auto et partout où on trouve des miettes de pain. Regarde ça! Il y a une vente caritative autour des lavages auto et des miettes de pain. J'arrive pas à croire que Maz se soit permis d'éventrer mon oreiller pour se fabriquer un pauvre costume d'acolyte. Un pauvre costume? Je trouve que c'est l'un de ses plus réussis. D'accord, mais regarde-moi ce chantier. Attends une minute. Ceci n'est pas une plume d'oreiller? Oh. Effectivement. Exactement ce que je pensais. Qu'est-ce que c'est? Ceci appartient en fait au pigeon. C'est même une de ses plumes volantes de la peur. Oh, comment elle est arrivée ici? Elle a dû aller se nicher dans les replis d'un vêtement de Maz quand vous avez rencontré le pigeon. Je vais analyser son ADN et extrapolerai le moindre critère ayant trait à une adynamie dormante. Hein? Je vais déterminer son talon d'Achille. Ah, trop cool! Je veux bien aider. Maz! Enfin, je veux dire, la caille canaille! Attends, tu vas pas me filer que 2 billets? Désolé, mais je suis sur la paille. Oh non, pas sur ma chimobile! Je sais, j'ai la gâchette facile. Volez! C'est ma clé, les yeux! Chisons! Super parapluie chilastique de combat! Volez! Jolie glisse, très propre. Merci. Tu sais, c'est comme faire du snow sur une piste. Non! Coquelin, mon fils depuis longtemps disparu. Où est-ce que tu étais passé? Au collège de Megadale. Je pensais avoir vérifié. Je ne voudrais pas trop m'avancer, mais je crois qu'il y a un léger quiproquo sur... Ne dis plus rien. Je te ramène à la maison. Bon sang, à quoi me sert cette cape si je peux même pas voler avec? Chizo, nous avons identifié le point faible du pigeon. J'ai trouvé son point faible. Et alors? C'est quoi? Les statues. Quand il envoie, il n'y résiste pas. C'est génial. Beau travail, Sorette. Dis donc, Coquelin, ne t'ai-je pas appris quelque chose sur le fait de parler quand tu as la bouche pleine? C'est-à-dire que tu ne m'as rien appris du tout, vu que tu n'es pas mon... Resserre-toi! Comme ça, plus tard, tu deviendras grand et fort comme papa. En fait, si tu fais abstraction du côté visqueux, ça a plutôt bon... Bien, mon garçon. Papa va maintenant aller te chercher le plus gros et le plus gras des vers de terre qu'il puisse trouver dans la région. Je ne m'absente pas longtemps. Un véritable festin. Une fois que tu auras englouti ce ver de terre, je te donnerai ta première leçon de vol. J'en gazouille d'avance. C'est une façon assez lombrique de parvenir à ses fins. Est-ce que ça va? Oui. Bon, alors on décampe d'ici. C'est qu'en fait, je suis plus très sûr de vouloir m'en aller. Quoi? Allons, ne sois pas chidicule. Non, mais comprends-moi, il veut m'apprendre à voler. C'est un peu ça. Sérieux, il faut vraiment que j'apprenne à voler moi aussi. Mais je voyais pas mon premier cours de cette façon. La caille canaille, va chercher du secours. D'accord. Le pigeon va maintenant te montrer ce qui arrive à ceux qui profanent ton nid, gaspillent des plumes et méprisent les volatiles. Une dernière parole? Oui, c'est marrant, je vois bien ma maison d'ici. C'est donc la fin. Tout va s'arrêter, le temps d'un simple clignement de paupières. C'est donc la fin. À moins que j'utilise mon parachute. Oui, je sais, parfois j'en fais un peu trop. Ça sent la grosse prise de bec. Mais sans moi, les mecs. Volez. Votre commande arrive. Elle est prête à déguster. Volez. Bande de
fameuse renvoyeuse de volets. Faut que t'arrêtes avec ces jeux de mots qui ne cassent pas trois pattes à un canard. Plume volante de la peur. Oh non. Je ne resterai pas le bec dans l'eau. Mon petit doigt m'a dit que tu aimais les statues. Je fais plus que les aimer, je les adore. C'est plus que parfait. Et t'aimes cette statue du penseur, toi le Martin Bêcheur? C'est absolument splendide. Et viens voir ce sphinx, c'est mon chef-d'œuvre absolu. Un ravissement extrême est en train d'envahir mon corps tout entier. Oh! Bien joué, les gars. Bien joué à toi, cette grosse dinde était dangereuse. Et comme le dit le dicton, un pigeon tragédien vaut mieux que deux moineaux angora. Ou un truc dans le genre. Ouais, là j'ai comme un doute, je suis quand même un peu embêté pour lui. Faut pas, mon pote, il avait les fils qui se touchent. Court-circuit, cuit, court-circuit.